la révolution industrielle. Elle promettait tout ce que l'homme voulait. Prospérité, richesse, bonheur. Misère et malheur n'existaient plus. Tout bascula suite à la guerre civile. Un régime totalitaire appelé Légion, seul vainqueur, était voué au développement technologique et à la dégradation de tout ce qui était humain en nous. Toute personne non conforme à ces valeurs devait être éliminée. Productivité, fidélité, telles étaient les bases de notre société. L'homme, roue mécanique de cette machine infernale, a perdu son identité. Assigné à des chiffres depuis son jeune âge, il s'adonne corps et âme au régime. Les ficelles de la Légion s'attachent dès la naissance. Une capsule est implantée dans le cœur, ce qui permet de contrôler le moindre pas, le moindre souffle. Pas de place au sentiment. Nous étions tous piégés dans ce cercle vicieux, obligés de travailler sans cesse pour contribuer à la productivité. Pas le droit au déni, nous étions là pour subir. Encore et encore, travail, fidélité, résonnaient dans les esprits. Tels des pions hagards, leur réponse était la même. Légion. Leurs yeux hébétés fixant la tache d'encre reflétaient l'emblème de la Légion. Leur visage inexpressif, dépourvu de toute émotion, criait allégeance envers la Légion. Néanmoins, aussi glorieuse qu'elle soit, la Légion prouve ses limites à travers des individus étiquetés comme aberrations. Non conformes à la norme.